retirez-vous de cette soirée de gala? Georges Grune, fidèle ami des foules les plus heureux, sans doute que ses coéquipiers Marchoux et White, même plâtre, seul le pied diffère. Tout est en place, ballon y compris, pour une grande soirée de football. Au-delà de l'aspect sportif, c'est une véritable lutte de prestige qui s'engage aux prises les deux derniers détenteurs de la coupe, et c'est aussi le champion qui rend visite au vice-champion. Personne n'ignore bien sûr le contexte particulier dans lequel s'inscrit cette partie, puisque l'entraîneur malinois Ad De Mos sera Anderlechtois la saison prochaine. Tous les regards curieux convergent vers lui et vers Goutals, qui évoluera à Bordeaux la saison prochaine. De ferme, de Messmaker. Koolne Sanders. Et bonne intervention de Vervoort. Jankovic à gauche, Krencevic à droite. Que va-t-il faire tout seul? Il tergiverse un peu sur sa gauche quand même. Jankovic, excellent service de Jankovic vers Vervoort. Il y a Krencevic et c'est le but! But pour Anderlecht! Un premier but après moins de 20 minutes de jeu. Les choses pouvaient difficilement mieux débuter pour les Anderlechtois. Goutals apprécie. La mine déconfie d'Ad De Mos en dit non. Phase limpide, ouverture lumineuse de Jankovic, débordement et centre parfait de Vervoort, et du plat du pied, Krencevic signe là son 11e but en Coupe de Belgique. C'est aussi la première fois qu'il trompe Prud'homme et a fortiori le club malinois. Début en fanfare donc, et 15 minutes plus tard, montée énergique de Georges Grune et passe tranchante de Stephen Keshi. Il n'y a plus qu'à admirer le sang-froid de Milan Jankovic. Seul devant Prud'homme, le Yougoslave, c'est le numéro 2, oui! Oh là là, qu'est-ce qu'il fait? Fantastique goal de Jankovic! Extraordinaire ce qu'il a fait là, le meilleur homme depuis le début du match. Il donne le premier but, il inscrit lui-même le deuxième, Milan Jankovic. Scène d'allégresse bien sûr dans le clan bruxellois. Et De Mos, demi-finaliste pour la troisième année consécutive, éliminé par Anderlecht il y a 12 mois au même stade de la compétition. Ad De Mos doit penser que les mauvais coupes sont des adversaires maudits. On revoit l'action, départ Georges Grune, le coup d'œil de Stephen Keshi et alors toute l'habileté de Milan Jankovic, dont c'est d'ailleurs le deuxième but cette saison en Coupe de Belgique. Deux buts à zéro, ne dit-on pas qu'il s'agit là d'un score idéal avant d'aborder un match retour. À l'image de ses joueurs et de ses supporters malinois exemplaires, Ad De Mos n'a pas tort de souligner que ces poulains se sont tout de même créés quatre franches occasions de but. Deux occasions par mi-temps en réalité. La première, quelques secondes à peine après le but d'ouverture de Krencevic, est assurément un tournant du match. Un des rares coups d'éclat de l'Israélien Eli Ohana, parfaitement muselé par Keshi, et la tête de Wim Hofkens. De Wild réalise là un arrêt réflexe déterminant. Deuxième occasion malinoise, c'est Bruno Verstappen qui va se heurter une fois de plus à Philippe De Wild. À la reprise, Emers trouve Koolne Sanders, le meilleur malinois sur le terrain. Quelle santé ce Sanders qui se joue de Van Tickelen et dont le centre en retrait est repris instantanément par Verstappen. Le ballon passe très près de l'objectif. Dernière possibilité pour les champions, cette hésitation d'Andersen qui met Wilmots en position idéale, mais l'envoi du ballon est trop faible pour inquiéter De Wild. Côté Anderlechtois, c'était donc les adieux de Raymond Goutals au public du stade Constant Vandenstock. Des adieux réussis, un Goutals égal à lui-même, vociférant, exubérant, bref, un vrai régal pour les regards indiscrets. Outre ces deux buts, voici une série d'occasions anderlechtoises. La première échoit à Georges Grune à la suite d'une jolie combinaison avec Nilis et Jankovic. Nouvelle occasion très nette pour les Bruxellois, ce coup de coin de Nilis, repris à bout portant par Georges Grune, toujours lui. À 67 ans, Goutal, c'était hier soir à l'image de l'ensemble de son équipe, c'est-à-dire rageur et hyper motivé. Aucun doute, Raimundo n'a pas encore la tête chez les Girondins. Nouvelle possibilité, ce coup franc de Vervoort bien arrêté en deux temps par Michel Prud'homme. Au bord, toi,
Une toile en fin de partie de Rutschus va mettre Luc Nivis en position idéale. Occasion unique pour le Limbourgeois, mais c'était trop facile sans doute. Sous le regard noir du chef d'orchestre. Contraste saisissant avec son vis-à-vis et successeur. Et dernière occasion franche, elle est pour Eddie Krincevich, son dernier contact avec le ballon. Dernier contact au parc en tout cas, est à l'image de sa principale caractéristique, c'est-à-dire spectaculaire. Ovation bien méritée pour le Kangourou, meilleur buteur en championnat, meilleur buteur en coupe, comme Goutals, des adieux réussis donc. C'est le petit Krincevich? Oui, c'est le plus petit de la famille. Il est aussi fort de la tête que son père? Non, lui, c'est surtout ses mains. Il est gardien de but, regardez. J'ai signé à Mulhouse, j'aurais pu signer pour... Vous avez fait quelques belles combinaisons avec Jankovic. Il sait faire un tas. Je ne sais pas encore de quoi sera faite la saison prochaine, mais pour moi, ce qui est important, c'est de gagner la coupe avec Anderlecht. Je dribble les...